Bonsoir à tous, bienvenue sur Canal Algérie. Heureux de vous retrouver encore dans ce quatrième numéro de Fréquence Musique. Vous avez pris le pli quand même depuis quelques temps. C'est l'émission où on retrouve la musique algérienne dans tous ses états. C'est aussi l'émission, il faut l'avouer, où on voit tous ces souvenirs défiler. Puis de temps en temps, on se fait plaisir avec des découvertes, des invités surprises. C'est le cas d'aujourd'hui. Il y aura donc avec nous un monsieur qui va quand même nous propulser quelques années en arrière. Ça ne va pas nous rajeunir, mais ça va nous faire énormément de bien, même si de temps en temps, on a un picotement au cœur, mais ça va nous faire beaucoup de plaisir. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que de temps en temps, il faut savoir, je peux chercher le mot, alors on va dire mettre tous ses soucis de côté et se laisser aller face à votre écran. Aujourd'hui, et comme à chaque fois d'ailleurs, j'aurai mon acolyte de tous les jours, Didi Boss, qui, comme à chaque fois, il vient nous raconter sa vie, nous poser des questions, un invité surprise, on le retrouvera tout à l'heure. Ce garçon, il fusionne pratiquement toutes les qualités qu'on peut ou qu'on exige à un artiste. On va le savoir tout à l'heure. C'est un artiste que j'ai toujours souhaité avoir sur un plateau de télévision. Et bien, c'est fait. Je me fais plaisir aujourd'hui grâce à vous. Mais pour le moment, un coup de cœur qui vous touchera, qui vous fera beaucoup de bien, mais parfois aussi vous propulser quelques années en arrière. De toute façon, ça va être mon cas. Regardons ensemble. Yeah.
Dédié donc à la femme, à la maman, cette maman que nous portons tous dans nos cœurs et que nous chérissons. Je vais vous mettre dans la confidence, je l'avoue, tout à l'heure avec Mélaïde, on parlait de souvenirs, de jeunesse. J'ai aimé l'expression Mélaïde, bonsoir. Bonsoir Hakim. Donc tu disais j'ai vécu, j'ai vu, j'étais. Ça c'était à Tamel Rasset. Oui, là c'est Atem El Rasset, une chanson en hommage à toutes les mamans. D'ailleurs, je leur rends hommage d'ici. Et puis un bonjour aux téléspectateurs, à nos amis qui nous regardent à l'instant. C'est une chanson donc composée en 84, tirée d'un poème d'un recueil de poésie de Amar Mesded. C'est un grand poète, médecin et musicien. Voilà, donc elle a fait quand même un bon succès auprès des gens en Algérie ou ailleurs. Donc elle a fait 100 ans et je crois qu'elle a traversé plusieurs générations. En deux phrases, Tegraoula, est-ce que tu peux nous dire, tu peux présenter Tegraoula en deux phrases pour cette nouvelle génération? Il faut avouer que ça fait quand même plus de 40 ans. Absolument. Que Tegraoula existe. C'est 43 ans déjà. Incroyable. Donc en deux phrases. En deux phrases, donc le groupe Tegraoula a été créé à Bebzouar, à l'université de Bebzouar en 77. Je les ai rejoints en 80. Uh-huh. C'est une belle histoire. Donc c'est un ami qui est venu me voir, Tegraoula a besoin d'un soliste. Moi j'étais pas soliste, je faisais de l'arpège, je faisais de la rythmique et je composais mes propres chansons. Car déjà à l'âge de 16-17 ans, je composais mes premières chansons. Mmh. J'ai été voir Idir c'est le boss du groupe, c'est l'un des fondateurs du groupe Tegraoula. J'ai été les voir à la cité Talb Abdelrahman de Ben Aknoun. Je lui ai chanté mes chansons que j'avais déjà composées. Ça lui a plu, il m'a présenté au reste du groupe. Mmh. Et ça a commencé en avril-juin 80, donc mon aventure avec Tegraoula, ça a commencé. Une aventure qui aura duré 40 ans. Ah oui, pratiquement. Avec le temps, il y a des éléments, des membres du groupe qui partent, d'autres qui reviennent, d'autres qui se déplacent à l'étranger. Mais l'ossature est restée elle-même, à savoir Idir, Omar et moi-même. Donc on a continué le chemin ensemble avec l'apport de nouveaux musiciens qui rejoignaient le groupe au fur et à mesure. Mais je t'ai senti nostalgique quand tu parlais au passé. Nous avons vécu, nous avons voyagé, nous avons rencontré, c'est très nostalgique, le regard t'a trahi. Oui, tu sais Hakim, je vais te faire une confidence peut-être. C'est entre nous de toute façon. Oui, voilà, c'est entre nous. J'étais timide, j'étais très timide. Tu ne l'es plus ? Un peu mieux. C'est grâce à Tegraoula. Pour moi, Tegraoula, c'est une école. C'est des gens instruits, c'est des gens bien éduqués. J'ai beaucoup appris d'eux. Et je rappelle que c'était une bande d'étudiants. Une bande d'étudiants en mathématiques à Bebzouar. Mmh. Et j'ai appris avec eux comment se comporter, comment se comporter surtout en face d'un journaliste, en face des caméras. Avant, je ne pouvais pas, je n'osais pas parler en face d'une caméra. Voilà, c'est pas possible. Mmh. Je laissais mes copains s'exprimer. Moi, je composais mes chansons, mais pour les exprimer à la télé, je ne pouvais pas, c'était pas possible. Mais avec le temps... Mais est-ce que c'était la même chose sur scène? Parce que souvent, quand on est en face d'un public, oui. on a cette peur, on a cette timidité. Est-ce que tu arrives à tenir? Eh bien, sur ça, c'est différent. C'est différent. Tu sais pourquoi? Ouais. Parce qu'il y a les projecteurs qui sont fixés sur toi. Donc, moi, je ne vois pas. Je ne voyais pas les téléspectateurs. On appelle ça une lumière barrage, en fait. Ça existe même aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire que le public te voit, mais toi, tu ne le vois pas. Tu ne les vois pas. Ouais. Donc, c'est comme si j'étais à la radio, comme j'ai fait de la radio pendant 20 ans. Donc, j'animais des émissions. Je les animais bien avec l'ambiance radiophonique, comme tu le faisais si bien, Hakim.
Mais en face d'un journaliste comme ça, en face des caméras, j'avais. Et puis à l'époque, si ma mémoire ne me fait pas défaut, la concurrence était terrible. Il y avait une Céline, il y avait une Flaouin. Ma mémoire ne me fait pas défaut. Oui, mais c'était une concurrence dans le sens positif. Dans le sens positif. Parce que c'est trois styles différents. Nous, on faisait à peu près du folk. Du folk. Folk moderne. Et Flaouin également, mais ils n'ont pas introduit d'instruments très modernes, à savoir la batterie, le synthé. Nous, c'est ce qu'on faisait. On avait la batterie, on avait le synthé, on avait la flûte. D'ailleurs, le groupe Tagadawal était connu pour sa flûte, la flûte traversière, jouée par l'immense musicien Abbas. D'ailleurs, il a eu un prix lors d'un concours d'un festival de musique algérienne à la Rotonde. Il a eu le prix du meilleur flûtiste. Insulien, c'était du rock kabyle. Insulien, c'était un groupe. C'était un poids lourd dans les années 80. Mais les trois groupes se produisaient pratiquement et régulièrement, surtout sur la place d'Alger, parce que nous étions des groupes d'Alger. Ben justement, à propos d'Alger, oui. Là, on va revenir sur la Rotonde. Oui. C'était au Maqam Shahid. 85, Festival de la Jeunesse. Ça ne nous rajeunit pas. Ah ben oui, c'était magnifique. C'était magnifique. Oui, les Flaouins. Non, Tegraoula. Tegraoula, pardon. Yeah, it's him.
Voilà, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître Belaïd avec les cheveux, ben là, que ça te fait? T'en as plus, là? Là, je ne sais pas. Tu sais, chaque époque a son charme. Peut-être que je suis charmant en ce moment pour mes enfants. À l'époque, c'était le charme de la jeunesse. Et on plaisait peut-être. Ou le contraire aussi. Mais j'étais étonné aussi de voir... Hakim aussi plaisait à l'époque. Toujours. Maintenant. Toujours. Youssef Nejimi. En version beau gosse. Version beau gosse. Version beau gosse. J'ai jamais vu Youssef Nejimi... Je découvre aussi. Il est toujours beau gosse. Didi Boss. Bonjour, ça va, bonsoir. Bonjour. Donc, tu ne viens jamais les mains vides. Jamais. C'est ce que j'apprécie chez toi. Merci, moi aussi. C'est ce que j'apprécie chez moi. j'ai un coup de cœur. En fait, c'est pas un coup de cœur. On parlait tout à l'heure d'Edir. En fait, je raconte ma vie. Donc, à l'époque, j'écoutais les disques de mon frère en cachette dès qu'il sortait. Encore ton frère? Oui, toujours mon frère. Parce que c'est lui qui m'a. Mes frères, j'ai deux frères. Et j'écoutais ces disques que je rayais souvent. Et du coup, au milieu, il y avait Edir. Le premier album. 77. Et c'est un disque qui est resté dans ma tête. Parce que je l'écoutais. J'écoutais souvent. Et c'était écrit. Donc il avait ses cheveux bouclés, la pochette, avec des lunettes, grosses lunettes. Écrit Edir en rose. Ah. Oui, après les clips. Et là, je vous propose un clip. Tu l'as dépoussiéré pour nous? Ah oui, en plus, réalisé par le grand Bachir Belhaj. Bachir Belhaj, c'est pas du n'importe quoi. Ouais. Exactement. Edir dans Fréquence Musique, si vous venez juste de vous mettre en face de notre écran, bienvenue et merci de nous choisir.
Dis-moi, si c'est, je sais que ça, c'est pas ton cas, ça te rajeunit pas. Juste la, moi, je m'attendais à ce que tu prennes la même position que Kidir, à savoir clip. Te mettre par terre, croiser. Ah, là, il l'a fait juste pour le. Bah oui, ça, je le sais. Il faut, être, il faut dire que Blaj était quand même avant-gardiste. Ah oui, 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 oui. Bah, même Edir était avant-gardiste dans l'instrumentation, dans l'harmonie. Il a apporté quelque chose. Et c'est d'ailleurs un de tes maîtres. Absolument. C'est vrai, parce qu'on sent l'influence un peu Edir par rapport à la flûte traversière, par rapport oui, à... Oui. Voilà. J'ai beaucoup aimé Edir dès les premiers jours. La première chanson, d'ailleurs, il l'a chantée avec Noara, Al-Siddayabos. C'était lors d'une émission. C'était Noara qui allait la chanter. La grande Noara. Grande chanteuse Noara. Mm-hmm. Alors, ce jour-là, elle était absente, il était obligé de la chanter lui-même. Al-Siddayabos, je peux Oui, bien sûr. On est là pour ça. Moi, ça ne me rajeunit pas, ce qui n'est pas le cas d'Edwige Bond, mais je sais que ça nous fait plaisir. Ça n'arrive pas très, très souvent. Et aujourd'hui, exceptionnellement, rien que pour notre plaisir, Tagalaoula. Pour faire dormir leurs enfants. Voilà, c'est une berceuse, absolument. Voilà, donc c'est à partir de ces chansons-là que Edir fait partie de ma vie. Et puis, voilà, c'est grâce à lui que j'ai appris à gratter sur la guitare. Moi aussi. C'est le moment de passer à autre chose. Si vous voulez. On va mettre la musique de côté. Ça va parler encore d'haricots. De Loubia. Loubia. Haricots. C'est l'époque. Hein. Ouais, donc ça va être la rubrique « Le dernier choix ». Donc, ça va être une série de questionnaires oui. Donc, auxquels vous devez répondre. Ensuite, il y aura des choix à faire. Okay. Je ne connais pas le jeu, mais je vais. C'est à partir de là. C'est à partir de là, on va peut-être définir Monsieur Blade, votre personnalité. En culinaire voilà. Ah, je ne sais pas. C'est selon les choix. Alors, psychologue, Raquel. Un peu. Un maison perdue, oui. Ok, d'accord. Alors, votre plat préféré. Vraiment, hein. Vraiment. Couscous, smardeus, donc les cardons sauvages, c'est ça, garnina. Smardeus, là. Pas trop, mais. C'est ce que j'allais dire. Oui, pour le goût, oui. Pour le goût. Ardid. Ardid. Ah, ouais, oui. Oui, pour le goût, oui. Même Floubia, Ardid. Alors, votre groupe rock préféré. Vraiment, le groupe qui vous a peut-être influencé, un groupe rock, qu'il soit algérien ou étranger. Ah là là, allez, je ne suis pas très très bien imprégné dans la musique rock, comme si vous m'avez peut-être... Rock algérien. Rock, bon, on peut changer votre groupe, musique, groupe que ce soit dans la funk, dans le... J'aimais bien Turkish Blend, parce que j'étais jeune, je les écoutais. Mm-hmm. Tu l'es toujours, tu es toujours jeune. C'est toi qui le dis. Je le confirme. Ouais. Il y a Rachid Deftahi aussi que j'aime beaucoup. D'accord. Ok. Ouais. Très bien. Votre acteur préféré, algérien ou algérien, étranger? Dagoumi, un grand artiste. Dagoumi, ouais. Un grand artiste. Votre sport favori? Ah là là. Quel est le sport que vous voyez peut-être à la télé ou là vous en pratiquez? J'en ai fait. Comme Hakim. Je fais du cross-country. je fais un peu de judo. Beaucoup de foot, comme tout. Et votre sport dans lequel vous êtes resté le plus, vous avez pratiqué? Moi, c'était le foot, oui. Le foot. J'étais un bon footballeur, oui. Comme Hakim aussi. Ah oui, oui. Votre instrument... Par foot, on a dit handball. Handball, pardon. Handball. Votre instrument préféré? Bah, elle est là. Guitare. D'accord. C'est celle que je maîtrise un peu le mieux. D'accord. Pas trop, mais... Pour un prof de musique, maîtrise. Oui, exactement. C'était mon instrument. Ouais. Votre couleur préférée? Le bleu. Ah oui. Ah oui, oui. J'ai toujours aimé le bleu. Comme Hakim. C'est gay.
C'est gai, c'est joyeux, c'est le ciel, c'est la mer. Ouais. C'est le beau temps. C'est l'été. Par contre, j'aime pas l'été. C'est à la mode, en fait. Avec, ma saison, c'est l'hiver. L'hiver. Ah, j'adore l'hiver. J'adore l'hiver, le froid. C'est ma saison préférée. Le bleu est revenu. Ce qui est génial, c'est qu'on est du même patelin. Ah oui, on est à 300 mètres de mon village et de son village, juste à une coudée de. Nictev Levet, moi, t'es d'Ertoufla. Voilà. Mais nous, quand il neige chez nous, chez eux, il ne neige pas. On est plus chanceux. Ils viennent skier chez nous. Oui. Ce qui est vrai, parce que le village est plus bas. Vous êtes un peu plus bas, oui, voilà. Absolument. Très bien. Donc le bleu. Après, le bleu qui est revenu à la mode grâce à Avatar 2, qui est sorti récemment. Ah, d'accord. Donc, voilà. D'accord, c'est pas grave. Votre film préféré ? Alors, le film. Ah, les films. Ah oui. Alors là, je dois retourner dans ma jeunesse. Ah oui, oui. Surtout les feuilletons. Il y a des feuilletons qui m'ont marqué. D'accord, feuilleton, vous pouvez choisir un feuilleton. Il y a Thierry Lafronde qui a marqué notre jeunesse. On tapait aux portes de nos voisins parce qu'on n'avait pas la télé. On ne devrait pas rater l'épisode. Mm-hmm. Il y avait aussi Belle et Sébastien aussi. Belle et Sébastien. Pas. Mm. Et puis les films de Rouéchède, les films... Mm. Plus tard, quand il y avait les films en Temazir, c'était La colline oubliée de... Mm-hmm. D'Abdelhamel Bougermoh, La montagne de Baya de Azdine Meddour, Belkacem Hadjadj, Farmel Soumer et tout ça. On garde laquelle alors ? Belle et Sébastien ? Oui, l'enfance. On garde l'enfance. Belle et Sébastien, tu te rappelles toi ? Il se rappelle, Hakim ? Oui, il avait 50 ans. J'étais encore très jeune. Votre club de foot préféré ? Ah, il peut être... Non, je... Oui, écoute. Un club. Je suis d'Alger. D'accord. À mes débuts, quand j'étais tout enfant, j'aimais comme mon frère, il aimait le CRD. Mais après, quand la GSK a accédé en division 1, donc c'est à partir de là que... Donc, CRB ou GSK ? GSK. Très bien. Ok, donc c'est le moment de choisir. Ça sera le moment de choisir. Entre le couscous et Turkish Blend. Ah, couscous. Couscous. Entre Agoumi et le foot. Agoumi et le foot ? Oui, il faut choisir. Ah, moi je choisis Agoumi. Agoumi. Ah oui. Très bien. Entre la guitare et la couleur bleue. Oh là là, quel choix. Ah non, je choisirais le bleu. Le bleu ? Ah oui. D'accord. Entre Belle et Sébastien et GSK. Il n'y a pas photo. GSK. Ah, d'accord. Très bien. D'autres choix à faire. Mm-hmm. Entre le couscous... Et Agoumi. Oh là là. Ah, tu serres les vis là. C'est un peu trop. Hein. Tout ça pour avoir un résultat psychologique à la fin. Psychologique à la fin. Ah oui. Donc le couscous... Et Agoumi. Écoute, le couscous, il est éternel. C'est le symbole de l'Afrique du Nord. Le burnous et le couscous, c'est éternel. Depuis la nuit des temps, c'est surtout... jusqu'à l'éternité. C'est surtout bon. C'est surtout un symbole. Un symbole. D'accord. Donc c'est couscous. Couscous. Entre le bleu et GSK. Oh là là, mais c'est incroyable. Ah non, écoute, GSK, elle passe par une période très difficile. J'espère qu'elle se remettra. J'espère qu'elle retrouvera les premières places qu'elle avait dans le temps, je choisirais GSK. J'aime le bleu, mais... Et voici arrivé le dernier choix. Entre le couscous et GSK. Oh là là, mais c'est pas possible. Ah non, je pourrais pas répondre là. Ah si, il faut. Ah non, non. Ah si. Ah non, non, non. Obligatoire. Pas obligatoire. C'est pas vrai. Voilà. Non, je choisirais la GSK. D'accord. Parce que j'ai confiance. Et je suis sûr qu'un jour, elle redeviendra comme elle était auparavant. Mm-hmm. Elle était l'équipe la plus titrée. Et puis son aura dépassé les frontières de l'Algérie. Mm-hmm. Et j'espère vivement que la GSK renaîtra de ses cendres. Voilà. Donc je choisis. Ça arrive. Voilà. En tout cas, il y a des clubs qui traversent. Sur les hautes montagnes de Kabylie, on a choisi... Donc vous aimez le football apparemment, c'est votre... Non, c'est pas trop, c'est pas mon dada, mais j'aime bien. Surtout, j'aime bien regarder le foot avec mon fils qui adore Real Madrid. Ah, ouais, donc c'est la bagarre à la maison, moi je le soutiens. En tout cas, une chose est sûre, c'est que sur les hautes montagnes de Kabylie, on aurait choisi le couscous, il fait très froid quand même. Oui, le couscous avec une bonne sauce chaude aussi. Hein. Mmh, oui. pas le couscous avec le bain et rien.
Hein. Avec le petit lait, là, c'est un peu... Avec tous les légumes, d'où vient Tebreket? Ah oui, 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 j'aime bien. D'où vient Melayoun? Prends pas de nom. Qu'est-ce que le Melayoun? Un goût raffiné. J'adore aussi. Raffiné au couscous. Ah, c'est très bon. C'est très bon. Donc, professeur de musique, Belaïd? Oui, je l'ai fait comme ça. Au départ, j'ai fait l'école normale de Bouzariara. J'ai fait le stage pour être prof de français. Et en parallèle, à côté de cela, j'ai fait le centre de formation administrative. J'ai entamé la deuxième année, mais durant la première année, j'ai passé le test, le concours à l'école normale. Je l'ai eu en français. Et j'ai abandonné le CFA. En revenant, j'ai bien réfléchi, je me suis dit, bon, il me reste une année, je dois la terminer au centre de formation administrative pour devenir attaché d'administration, peut-être autre chose. Et je suis revenu une deuxième fois à l'école normale. Je leur ai dit, voilà, j'ai mon dossier qui est déjà là. Et est-ce que je peux reprendre mes études pour devenir prof de français? On m'a proposé, on vient de créer la nouvelle discipline de prof de musique. Ah, je lui ai dit, ben, pourquoi pas? Parce que j'aimais ça. Et il y a quand même un passé où j'ai eu un prof de musique, c'est une Allemande, Madame Benhouhou, mariée à un Algérien. C'était mon prof de musique au CM Maclé, entre Ben Haknoun et Alger. Elle m'a encouragé à faire de la musique. Je lui ai chanté mes premières chansons à l'âge de 15 ans, 14, 15 ans. Elle m'a dit, Belaïd, toi, tu vas faire quelque chose en musique. Je me rappelle très très bien. Donc ils ont pris le dossier qui existait déjà à leur niveau, ils ont effacé français, ils ont mis musique, et voilà, c'est à partir de là que... En tout cas, moi je t'invite à redécouvrir un groupe rock des années 70, les Abranis, avant de recevoir un invité surprise. Ouais. Donc je rappelle, dans un petit moment, il y aura un invité surprise, mais d'ici là on se fait plaisir, les Abranis. Ah oui.
Zabranus de bons souvenirs. Ah oui, je me rappelle, j'étais en deuxième année moyenne. La veille, c'était un week-end, et ils ont passé les Zabranus à la salle Moga. C'était un festival aussi de la chanson algérienne. Et c'était la première fois qu'on voyait un groupe style occidental, style Beatles. Je me rappelle Karim Abrahams, il avait les cheveux blancs, cheveux longs, très beau garçon, Shamil Bez au synthé, je crois que c'était Baroudi à la batterie. Ah, ça nous a émerveillé le lendemain, tout le monde parlait. Je crois que c'est l'un des groupes qui était quand même un peu en avance par rapport à... Ah, c'était l'un des premiers groupes modernes dans la chanson rock. Ils ont commencé en 67. Ah ouais, très tôt, très tôt. Eh bien, moi, je me fais un malin plaisir, Bled, de te faire découvrir, puisque je suis sûr que tu ne connais pas, mais c'est une pointure dans le monde des fusions. C'est un invité surprise. Je tenais à ce qu'il soit invité dans le cadre de Fréquence Musique. Oussama. Bonsoir. Bonsoir Hakim. Bonsoir. Bonsoir DJ. Bonsoir Bled. Oussama. Donc, un son très fusionnel. Oui. Donc, le luth, le gombri, la flûte, certaines vidéos. Oui, flûte et percussion. Tu es tout le temps dans le son expérimental. Oui, à la recherche. En fait, est-ce que c'est une façon de te rechercher? Et de m'exprimer aussi. Pardon? Et de m'exprimer. Et de t'exprimer, oui. Musicalement sur musicalement. Scène. Tu es très underground. C'est peut-être pour ça que beaucoup ne te connaissent pas. C'est un choix? Oui, c'est un choix. Enfin, c'est un choix, c'est un engagement. Quoique, parfois, tu t'es frotté au grand. Tu as fait le Dima Jazz. Oui, en 2019. En 2019, donc tu as eu à te frotter de grosses pointures du monde du jazz. Oui, c'était une très belle expérience. C'était comment l'expérience? Elle était magnifique. Très belle expérience, il y avait un grand son, un bon public. Le public constantinois, il était génial. Et de qui tu as appris ça? Qui t'a réellement influencé? J'ai grandi dans un environnement très, très mélodique. Hein? Par le biais de ma mère, Lahma, qui jouait du piano, elle chantait aussi. Mmh. Et aussi, j'étais très influencé par les traditions de Tejouid. Tejouid? Tejouid, oui. Mmh. Et de là, j'ai aimé les gammes, ce qu'on appelle maqamat. Et dire que tu étais dans le heavy metal? Oui. C'est un saut... Exactement. Hein? Bon, c'est pas une folie d'adolescence, mais c'est une musique que j'ai beaucoup aimé. Tout le monde connaît le heavy. Le heavy metal, oui. Metallica. Et quand on écoute ce que tu fais aujourd'hui, c'est totalement deux mondes parallèles. Il y a une liaison. C'est une philosophie, ça. Une belle philosophie. Sûrement, oui. Après, ouais. c'est normal qu'il fasse de l'expérimental, c'est ça. C'est-à-dire que dès le moment où on s'attaque à l'expérimental, c'est qu'on a dû écouter beaucoup de genres musicaux. Donc voilà, je pense que, bon, après le heavy, Metallica, toi aussi tu écoutais Metallica, ça faisait pas de toi quelqu'un de... Ben oui, mais j'aime Metallica. Quand t'étais jeune. Mais je suis le temps est peut-être égal à une horloge bosse, mais jamais pour nous les humains. Donc pour mieux comprendre de quoi on parle, parce que c'est pas évident, fusion et tout ça, on va vous faire découvrir, vous remettre à jour ce que fait Oussama Bessissa, hein, et on va y revenir après. Thank you.
voilà, à partir de chez vous, on a eu quand même le temps de voyager dans plusieurs régions de cette Algérie que nous aimons. Donc c'est ça, en fait, la fusion, ça va d'une région à une autre. Exactement ça. D'un genre à une autre. Moi, j'ai aimé déjà le fait de voir Hassan Khoualef, qui est pour moi l'un des... Pour moi, ça reste mon avis personnel. Oui. L'un des meilleurs batteurs. Oui, c'est l'un des meilleurs. Comment il se fait le choix? Parce que là, c'est des musiciens de session. Non, c'est des amis. C'est pas des... J'ai fait appel à des amis que je connais. Mmh. Et, l'album, je l'ai fait avec Younes Kati, mmh. qui est un ami, qui est aussi un excellent batteur. Mmh. Et pour la sortie d'album, pour ce concert, il n'était pas disponible. Donc, il m'a conseillé Hassan Khoualef. Et c'était le bon choix. Mmh. En tout cas, moi j'aimerais bien voir ce groupe sur scène car il a toutes les qualités qui puissent exister. Ouais. Hein, boss ? Oui, tout à fait. C'est pour un voyage musical large, voyager large. C'est bien de voyager sur place, ça coûte moins cher. Blade, oui. Beaucoup moins. Bah oui. Non, on ne voit pas beaucoup comme ça sur scène. Hein. Et j'aimerais bien qu'il soit beaucoup plus médiatisé, programmé. C'est la musique qu'on demande, qu'on cherche. Mm. Ah, il faut qu'on dit, enfin, pour les gens qui ne le connaissent pas, ouais. Ils doivent absolument découvrir ce que fait Sofiane. C'est extraordinaire. En tout cas, j'espère que les organisateurs de concerts, de festivals et des spectacles puissent quand même booker un jour Oussama Bessissa. Au fait, c'est un groupe. Oui, c'est un projet qui s'intitule Astral Vibes Conspiracy. Mm-hmm. Donc, il réunit des musiciens de tous bords. Oui. Alors, il y a sur le Gombri, il y a Mohamed Amaïdé qui est de Galma, qui a un rappeur, qui s'est converti au Gombri. Il y a Rami Malouf, c'est aussi une virtuose libanais qui a joué avec Fayrouz, avec Majda Romi. Et puis, il y a Hassan Khoualef et Younes Kati à la batterie. En tout cas, on a aimé le premier morceau. Ouais. Là, on va se faire plaisir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On va retrouver un autre... j'aime bien la tête qu'il fait. Ouais, il est tout content. C'est le moment. Moi, ça me fait... je ne te le cache pas, Oussama. J'ai découvert ça il y a 2 ans, je crois. On s'est même parlé. Et je m'étais dit, c'est fou que les Algériens ne connaissent pas. Ouais. Et donc, j'ai diffusé ça en radio. Et l'occasion pour moi se présente aujourd'hui et tu ne peux imaginer le plaisir que j'ai en proposant ça à nos amis téléspectateurs. Thank you.
j'appelle être malmené, même étant assis sur son divan en face de Canal Algérie et dans Fréquence Musique tous les jeudis dès 22h. Oussama, tu es dans ton élément là. Ouais. C'est là où tu te retrouves, c'est là où tu, c'est ton univers. C'est mon univers, c'est la musique, c'est la création, c'est la composition. C'est... Et c'est un hommage à Allah, d'après ce que j'ai compris. Oui. Comme disait Boss, c'est du Allah électro. Oui, un peu. Plutôt voilà, progressif. Progressif, progressif, voilà. Et là, en face de nous, du Boss, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est le choc de deux cultures, en fait, de deux mondes, du monde de la musique. Ben, on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Je me demandais qu'est-ce que ça donnerait si on demandait à nos invités de nous faire un petit bœuf comme ça, rien que pour le plaisir. Et c'est entre nous de là, toute tout façon. Suite. Là tout de suite. Bah, ah, oui. Oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu peux nous proposer ou qu'est-ce que vous pouvez nous proposer là maintenant si on vous prend au dépourvu. Tout à l'heure, on a essayé un arpège de Edir. Je sais pas, je lui ai dit est-ce qu'il est possible d'improviser on peut essayer. Je rappelle que tu es revenu avec un single qu'on va retrouver tout à l'heure avec l'Amraoui. Avec Mohamed l'Amraoui. Mohamed l'Amraoui que nous saluons. Ouais. C'est le dernier titre. Ben, c'est une idée géniale de Mohamed l'Amraoui que je salue au passage. Mohamed est très connu, il était ami à Kamel Saoudi, il a fait beaucoup d'arrangements. Et c'est un chanteur polyvalent extraordinaire. Il joue de tous les instruments. Il a eu l'idée de traduire Imad Dahafi et de créer même une nouvelle poésie, toujours en hommage à la maman. Il a créé dans un arabe algérien très beau et extraordinaire. Algérien, oui, oui. Et moi, je faisais la partie kabyle de Imad Dahafi. Donc, on a fait une fusion entre. Si tu veux, on a fait de Imad Dahafi une chanson shahbi. D'accord. Une chanson shahbi. Vous lui avez redonné une autre âme. Une autre âme. Et puis, on le faisait, mais les dernières années, on fait des vidéos par visioconférence. Visio, par c'est visio. Ça, ouais. Voilà. Donc, chaque musicien joue. Un jour, en fin de compte. Ben oui, il faut bien être à la page. Hein. Ouais. Donc, chaque musicien faisait son morceau de guitare, de violon, de banjo, il envoyait sa vidéo. Mohamed l'Amraoui a fait un montage extraordinaire chez lui. Ah. Oussama, est-ce qu'il t'est arrivé d'écouter ce que fait Tagaoula? Tu as déjà écouté? Est-ce que tu as entendu parler? Est-ce que tu as... Je découvre. Je découvre. Mais puisque tu es dans l'expérimental, au fait, tu es dans la recherche. Oui. Donc forcément, on cherche ce qui s'est fait avant. C'est à partir de là qu'on s'inspire. Exactement. Est-ce qu'il t'est arrivé justement un jour de fouiller, de fouiner, comme ça se fait ailleurs, hein, et que tu es tombé sur un titre ou un album de Tagaoula ou autre? Oui, mais... Autre peut-être, autre, oui. Autre, oui, peut-être, autre, oui. Oui. Quels sont les répertoires que tu visites souvent? Franchement, je peux dire que je suis un fan de Cheikh Ajenir. C'est vraiment du rock... Du pur et du pur rock, oui. Mais en fin de compte, il y a toujours cette tendance heavy en toi. T'as beau le cacher avec ta timidité... C'est une musique qui a beaucoup de caractère. Que ça soit dans. On va voir ce que ça va donner là. Ouais. Déjà deux instruments magiques. On n'est pas bien réglé, mais. Ouais, on va essayer. Ouais. On est en direct. Bien sûr. C'est permis de toute façon. Pardon. Thank you.
Au moment que, mais c'était pas vraiment méchant, parce qu'au fait, moi, il y a autre chose qui m'intéressait, c'est la personne formée dans le monde de la musique, qui a étudié la musique, et l'autodidacte. Donc du coup, on ne peut pas faire la différence, Digiboss. Pas trop, pas trop. Pas t'as trop. Aimé? Moi, j'aime bien. Tout ce qui est... Donc c'est Digiboss M. Moi, j'aime. C'est moi, que, je valide, je là, j'aime bien. Ça va. Mmh. Moi, j'aime bien. Peu... Même oui, les instruments. Pas, ouais. On n'a pas répété les guitares. Oui, bah, c'est ça. C'est ça. On n'est pas bah, accordé, c'est oui. Ça. Voilà, mmh. C'est ça. Avec répétition, avec voilà, exactement. Ça donne autre chose. Ça donne et une question que vous auriez aimé que je vous pose et que je n'ai pas posée. Non. Oui, bon. Vous posez toutes les questions, je pense. Je vous ai rien laissé. Où ça va? Ça a été comment? T'as aimé? Oui, oui. Okay. Voilà, la question peut-être, c'est la nouvelle version de Imad Dahavi, que c'était un rêve de jeunesse. Lorsque je l'ai composé en 84, je l'imaginais en symphonie. Ben, il est arrivé le jour où un grand musicien à Bijaya, Farid Harfi, à qui je rends un immense hommage, c'était un ancien étudiant de l'UNS, il a étudié parmi la première promotion des professeurs de musique à l'UNS, il y avait Dalil Sardine, il y avait Nadia Saada qui était professeur de musique là-bas aussi. Donc il l'a travaillé, il l'a retravaillé, et on a fait une symphonie extraordinaire qui va sortir bientôt en clip. Je ne sais pas si je peux citer l'éditeur parce qu'il a pris en charge le travail. Le clip, on l'a enregistré. Bientôt, Inch'Allah, il va être sur toutes les plateformes digitales. Ça va être sous le nom de Tagraoula ? Belaï Tagraoula. Belaï Tagraoula, ok, très bien. Voilà. Mais est-ce que Tagraoula existe toujours ? Il existe malheureusement, voilà. Voilà la question justement que peut-être tu devrais me poser. Où est passé le groupe Tagraoula ? Hein ? Tagraoula n'est plus programmé. Voilà le problème. On n'est plus médiatisé comme avant. Alors que dans les années 80, on passait partout, on a sillonné l'Algérie. Eh bien, j'espère qu'à partir de On a fait l'Europe, on a fait l'URSS. On vous reverra sur scène. Inch'Allah. Blaïd Oussama, merci d'avoir accepté. Merci d'être nos invités. Merci j'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie. Super. De toute façon, moi, Digiboss. On s'est bien éclaté. On s'est bien éclaté. Merci à vous. Merci à vous. Je sais qu'on vous manque déjà. On va vous retrouver jeudi prochain. Un grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne, à Amel Messaïd, la rédactrice en chef, à la réalisatrice Wafa Larouati, à Anis, le script, et Amir Nebesh. J'aurai le plaisir de vous retrouver. Il y a toute l'équipe technique qui est présente ce soir. Studio 7, j'aurai le plaisir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de vous retrouver le jeudi prochain dès 22h. Le meilleur sur Canal Algérie, c'est 24h sur 24. Salut! يمّا يا العزيزة يلي قلبك عليا حنين انتي هي الركيزة وانتي هي ذراعي اليمين يا العزيزة يلي قلبك عليا حنين انتي هي الركيزة وانتي هي ذراعي اليمين يما يا لحنينة شحال سهرتي علينا الجنة تحت قدامك ربي طول في عمرك دعيلي بالخير يا لموي ما تدعي فيك نفوس موت فيك السما دي زيي يغلي ياسر ومسور ترويت ورتت وخير